Alors aujourd'hui, nous sommes au Théâtre de la Passerelle pour le premier forum de l'engagement. Un forum qui est né de l'envie du coordinateur du conseil de jeunes, Yann Keroller, de permettre à chaque jeune de trouver son outil d'engagement. On a plusieurs dispositifs, donc que ce soit sur de l'orientation, de la recherche de formation ou de la recherche d'emploi, on va pouvoir guider nos jeunes. Le CRIPS Île-de-France, donc une association de prévention santé dans toute la région Île-de-France, est là pour présenter le déploiement d'un dispositif qui s'appelle la couveuse. C'est un accompagnement gratuit sur 8 mois pour les jeunes de 18 à 30 ans qui souhaitent créer un projet, développer un projet ou s'engager sur les thématiques de santé. Sur Palaiseau, on a des jeunes qui sont très engagés, principalement actuellement sur le Conseil des jeunes. On le voit à travers tout ce qu'ils ont pu mettre en place sur ces dernières années. Alors, le bilan que je tire de mon premier mandat au sein du Conseil municipal des jeunes est assez positif. On a pu participer à plusieurs projets, une semaine du hip-hop, des débats, etc. Et ça a été assez fructueux. Vous êtes à la fois les ambassadeurs et les porte-parole de ce territoire à partir d'aujourd'hui. Votre enthousiasme sera communicatif, votre motivation fera bouger des montagnes. C'est grâce à votre dynamisme que vos projets prendront corps. Je me suis engagée premièrement dans le SNU l'année dernière, donc c'est un séjour de cohésion que j'ai fait pendant 2 semaines. Je me suis dit que ça peut être bien pour moi, pour essayer de plus m'ouvrir au monde, découvrir plus de choses que je ne connaissais pas avant, et ça a été une expérience vraiment incroyable. Viens rencontrer des jeunes engagés, ils te parleront mieux que nous en fait de leur engagement, ce qui peut toi te donner envie.